Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis en train de me préparer, il est actuellement très très tard, au moins midi 13h, je sais pas. 12h49, et bien nous sommes très en avance dis donc. Ce matin qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des allers-retours dans mon lit, parce qu'en fait il y a plein de livreurs qui sont venus ce matin. Et comme je me suis couchée très très tard, vers 3h, 4h du matin, et bien le réveil à 7h a piqué quand le coursier est venu m'amener des colis, c'était bien. Ensuite je me suis rendormie après 7h, à 9h30 un autre livreur qui est passé, j'étais ravie. Bah mon chat! Bah viens mon amour! Bah oui, t'es derrière la porte ce con. Et ensuite je me suis recouchée et j'ai eu un autre colis à 11h30. Donc bah, je me suis réveillée, je me suis dit vas-y Elisa, c'est bon. Il n'y a pas eu de sommeil réparateur du tout. Je pensais vraiment faire une grasse matinée, mais pas du tout. Vraiment. Donc aujourd'hui, le programme, c'est de faire les cadeaux de Noël. Donc j'ai déjà commencé avec ma soeur hier. Mais là, il faut que je finisse, faut que je trouve un dernier cadeau pour mon père. Donc voilà, je suis trop contente. Une petite journée vraiment sympathique. Et j'espère trouver un truc pour mon père. Je pense un pull ou quelque chose comme ça, un truc en plus. Parce qu'en fait, dès que mon père s'habille, il s'habille avec les vêtements que je lui offre. Donc ça veut dire que j'ai bon goût. Et ça, c'est cool. Je vais essayer de lui trouver peut-être un pull ou un pyjama ou un truc comme ça. Donc voilà, écoutez, je vais m'habiller parce que là, je suis en pull, je suis en pyjama, c'est n'importe quoi. Donc voilà, je me suis fait une queue de cheval parce que mes cheveux sont dégueulasses et j'avais la flemme de me les laver. Et regardez comment ils sont beaux, genre ils bouclent et tout, c'est trop beau. Bref. J'ai lancé aussi une machine, j'ai lancé le lave-vaisselle, comme ça, c'est cool. Il y a un autre truc que je voulais vous dire, mais oui, je vous ai pas dit, je suis devenue tata, ça y est. Il y a ma voisine, celle que bah, vous connaissez, hein, mes voisins, avec qui je passe tout mon temps. Oui, mon chacha. Elle a accouché, donc ça y est, voilà, je suis trop contente, je suis devenue tata voisine. Donc voilà, j'ai acheté un petit cadeau en plus pour elle hier. Enfin voilà, j'ai acheté plein de cadeaux hier pour les gens. Il me tarde de la voir, la petite. J'ai vraiment chialé. J'étais en mode, ah, je suis tata. Alors imaginez le jour où je suis vraiment tata, où c'est ma soeur, enfin, genre vraiment ma soeur, mon sang qui accouche. Oh, elle est pas prête. Hein. Le nombre de pandas que je vais lui acheter. Parce qu'en fait, hier, je cherchais une tétine panda. J'en ai pas trouvé. Donc j'ai trouvé autre chose beaucoup mieux. Et en plus qu'ils n'ont pas. J'ai dit ça à mon voisin, j'ai dit que j'avais acheté ça. Ils m'ont dit ok c'est bon, on en a pas. Enfin on en a déjà un mais il nous en faudra un deuxième. Donc je suis trop contente, au moins j'ai trouvé un bon cadeau. Excusez-moi, ils ont tout ce qu'il faut. Donc voilà, allez c'est parti. On va s'habiller et on va aller à Belle Épine. Bon ça y est, je viens d'arriver à Belle Épine. Faut que j'aille me faire échanger un truc à Primark. J'ai pris une jupe. Je savais bien que ça allait être un peu grand et tout. Faut toujours que je prenne une taille en dessous à Primark, c'est un peu galère. Donc je vais me faire échanger ça. Je vais regarder aussi s'il y a des petits trucs en décoration de Noël à Primark. Genre au niveau des bougies et tout. J'ai pas pu voir bien hier parce que je suis allée hier avec ma soeur. Et ensuite, go trouver un cadeau à mon père. C'est parti. Regardez comment c'est trop mignon. C'est trop joli. Même dans le hall principal, ils ont fait des trucs trop jolis. Avec le grand sapin et tout. C'est trop beau. Et je crois que je viens de voir un Père Noël à Primark. Je suis morte. Ah oui, il y a un Père Noël. Je suis morte. Hier, je me suis pris cette jupe-là. Elle est un peu grande. Je vais prendre la taille en dessous. Celle-là aussi, elle est mignonne. Ça, c'est horrible. Horrible. Il y a Donald. Il est trop beau. Moi, je cherche toujours mon plaid vert, là. Celui que je voulais depuis longtemps et que j'ai trouvé dans un autre Primark, mais que j'ai pas pu prendre. Il y est plus, genre il est en rupture. Je suis trop dégoûtée, genre il y a plus. Faut que j'attende encore l'année prochaine, genre. Il y a plus mes plaids, je suis trop dégueu. Bon, j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait. Maintenant il faut que je me grouille. J'ai trouvé un cadeau pour mon père, donc ça c'est vraiment cool. Et là je vais vous montrer les petites décorations qu'ils ont fait à Belle Épine, c'est trop joli, vraiment incroyable. Regardez comment il est trop beau. Incroyable, je veux le même chez moi. Genre je trouve ça trop mignon. Genre c'est quand même pas mal hein. Ils ont fait beaucoup d'efforts au niveau de la déco. De toute façon à chaque fois Belle Épine c'est bien décoré. C'est trop mignon. Dommage qu'il n'y ait pas le Père Noël. Ah en plus c'est payant. Ah oui. Go faire le Père Noël les gars. C'est trop beau. Mais qu'est-ce qu'ils en font de toutes ces lettres après? Ah, je veux la même chose chez moi, dans mon jardin. C'est trop bien. Bon. Ah, j'ai oublié d'acheter des masques. Ce n'est pas grave. Je reviens donc de Belle Épine. J'ai fait juste Primark et Normal.
J'ai regardé un peu à Brice, à Jules et tout, mais je trouve ça beaucoup trop cher. Un pyjama, c'était 35 balles. Je me suis dit, faut arrêter les conneries. Donc j'ai trouvé, je pense qu'il me faut pour mon papa. Après, Primark, ça taille grand. J'espère que ça sera pas trop grand pour lui, parce que j'ai pris du 2XL et il met du XL. Ouais, je sais pas. En fait, il aurait fallu que je prenne du L pour lui, pour que ce soit sa vraie taille, mais il n'y avait plus rien en fait. Donc au pire, voilà, et je me ferai rembourser, je vais essayer de pas perdre le ticket, c'est juste ça. Et donc là, je rentre à la maison, je vous montre donc tout ce que j'ai acheté depuis hier et aujourd'hui. Donc allez, c'est parti. Il fait vraiment beau, c'est vraiment cool, mais dans 3 heures, il n'y a plus de... soleil, je suis à bout. J'ai attendu que tout ça se termine parce que ça faisait beaucoup trop de bruit et donc je vais vous montrer tout ça, tout ce que j'ai acheté pour les cadeaux de Noël, etc. Les petits trucs que j'ai pris pour moi. Donc je vais me mettre où? J'aimerais bien qu'on voit mon sapin en fond, mais je sais pas si c'est possible. Attendez, on va essayer de faire une installation. Ah, on tient quelque chose les amis. Alors attendez, comment que je vais faire? Une bougie. Oh, vous êtes sur une bougie les amis. Attendez, je mets Rodolphe ailleurs. Attendez. Hop. Hop. Oh mais c'est magnifique. On a trouvé un nouveau spot. Je suis morte. Alors pour les cadeaux de Noël, donc s'il y a des gens de ma famille qui commencent à regarder, bah quittez la vidéo, même si je sais que vous n'avez pas quitté la vidéo, mais bon c'est pour vous, c'est pour la surprise hein. Ma soeur je sais qu'elle va regarder quand même, donc je vais pas montrer le cadeau de Noël que je lui ai pris parce que j'ai envie de voir sa tête, vraiment sa tête elle va être incroyable. Je vais vous montrer ce que j'ai pris par exemple pour ma filleule. J'ai trouvé ça à Cultura, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. C'est un livre en fait avec une petite lampe et tu peux éclairer le livre et après t'as des petits secrets qui apparaissent et tout. Genre c'est plutôt pas mal, ça coûtait 15€ quand même, c'est pas donné pour un livre je trouve. Mais voilà, des histoires de Noël à lire cachées sous la couette. Je trouvais ça plutôt pas mal comme concept et tout, franchement je trouve ça assez mignon. J'ai pris aussi pour ma personne, bon ça je pense que vous n'êtes pas sans savoir que j'adore Donald. Donc j'ai pris les trésors de Picsou avec Donald et tout, franchement j'aime trop les trésors de Picsou. C'est l'édition de janvier-mars, donc ça c'est vraiment cool, ça coûte 5,95€. Ensuite, pour ma meilleure amie, donc c'est ma voisine, je lui ai pris en fait un lot, c'est des masques en fait dans une valisette, ça coûtait 28€. En fait il y a plein de masques à l'intérieur, elle adore en fait les masques, masques mains, pieds, visage, machin tout, elle kiffe ça, du coup je lui ai pris. Donc dedans il y a un masque visage grenade, masque pied cactus, patch charbon pour le nez, masque yeux caféine, masque cheveux de nuit aloe vera, masque main à la mangue, masque yeux à la grenade et un bubble mask. Je pense qu'elle va être trop contente, en plus le format est super mignon, donc voilà je lui ai pris ça, au moins elle va être contente. Ensuite à Primark, pour la petite qui vient de naître, donc l'enfant de mes voisins, j'ai pris un... je sais pas comment... ils appellent ça un nid d'ange. Mais en fait c'est une couverture que l'on met sur le siège auto. Je sais pas si vous allez voir, voilà ça se met comme ça, il y a des petites ouvertures dans le dos pour mettre la ceinture, etc. Et je trouve ça vraiment pas mal comme idée. Alors je vais pas l'ouvrir parce que c'était le seul qui n'était pas ouvert. Mais en gros, voilà les petits motifs. Genre c'est super mignon. C'est pas trop genré en plus. Donc ça c'est vraiment cool. Et l'intérieur c'est tout pilou pilou. Donc voilà, ça se présente comme ça. Il y a l'extérieur comme ça et l'intérieur c'est pilou pilou. Donc j'ai beaucoup aimé. Ça coûtait 12€. Pas mal comme idée. Enfin, ce genre de choses. Au niveau des cadeaux, je n'ai jamais vu. C'est souvent des bavoirs, des tétines, des vêtements, des machins, etc. Mais là, ils ont beaucoup de choses. Et je ne savais pas trop quoi prendre. Et je me dis, en fait, comme ils ont deux voitures, ils en auront besoin de deux, de trucs comme ça, vu qu'il y aura deux sièges auto. Donc voilà, je suis trop contente. Au moins, ça sera un cadeau utile. Enfin, j'espère qu'ils vont aimer. Je vais peut-être garder le ticket de caisse au cas où s'ils n'aiment pas. Mais voilà, je trouve ça trop mignon. Franchement, les petits animaux, ils sont choupis et tout. Franchement, je... j'aime trop. À Primark, je me suis pris des chaussettes. J'ai repris en fait ces genres de chaussettes parce que je les aime beaucoup. Elles sont très très bien. Et je suis en train de virer toutes mes anciennes qui sont toutes trouées, toutes caca. À Bershka, je me suis acheté des gants. C'est des gants un peu... bon, je pense que vous voyez un peu la matière. Hein. J'adore ce genre de matière, c'est très très bien. Ça accroche pas trop les poils en plus. Donc ça coûtait 7€. Ensuite, à Undies, j'ai acheté ça pour mon... comment on appelle ça? Mon beau-frère, le copain de ma soeur. C'est un calbut, j'ai trouvé ça excellent à Undies. C'est marqué « Mec chanceux a trouvé la meuf parfaite ». Voilà. Donc ça coûtait 9,95€. Voilà, c'est vraiment une connerie. J'aime bien moi ce genre de connerie.
trouve ça rigolo. Ensuite, à Primark, je me suis acheté une espèce de parure, enfin pas parure, mais je me suis acheté des colliers à 4€. J'aime bien en fait celui-ci et j'en ai des colliers un peu dans ce style-là, de la marque Houyor. J'adore cette marque-là, mais tous mes bijoux viennent de chez eux. Et je sais pas, je trouvais ça trop mignon pour une soirée et tout, je trouve ça trop beau. Ensuite, je me suis pris une jupe, donc là c'est taille 36 que j'ai pris. C'est vraiment galère au niveau des tailles à trouver et je la trouve trop trop belle. En fait, elle est effet coton. Genre c'est tout coton, chaud en fait, c'est une jupe chaude et ça j'aime beaucoup. Donc je l'ai pris en taille 36, elle est trop jolie, elle coûtait 10€. Je me suis pris aussi un cycliste pour mettre en dessous de mes robes quand c'est un peu trop court. Ça coûtait 3€, j'ai pris en taille S. Donc voilà pour le petit cycliste, vraiment un truc basique. J'ai repris aussi des chaussettes blanches, donc c'était 3,50€. J'ai pris aussi des chaussettes assez grandes. Je vais regarder un peu comment elles sont. À 4€, c'est pas donné du tout. Mais en fait, c'est pour mettre en dessous de mes cuissardes, pour éviter que mes cuissardes elles tombent. À ce qui paraît, ça fonctionne bien cette technique-là. Genre, tu mets des chaussettes et à ce qui ça tombe pas. Donc voilà, au pire, de toute façon, si vous voyez rien, mais voilà, c'est des chaussettes assez longues. Et la matière, elle est un peu comme ça. Genre, elle est plutôt pas mal la matière. Mais 4€ la paire de chaussettes, ça fait cher. J'ai pris aussi une ceinture marron, j'en avais besoin d'une parce que l'autre est en train de mourir, donc j'en ai pris une autre à 3€ aussi. J'ai trouvé ça à Primark, j'ai trouvé ça trop trop beau. C'est une coque pour les AirPods avec il y a Donald là. Oh, j'ai trop aimé, 3,50€. Il y avait aussi la coque pour téléphone mais j'ai pas d'iPhone. Je vais l'installer direct après. Ah! Ensuite à Primark, j'ai pris la jupe, donc c'est celle-ci que je me suis fait rembourser comme je vous ai montré, enfin échanger plutôt, trop trop belle. C'est le même style que l'autre jupe à carreaux, elle a la même matière, genre un peu chaude et tout. Moi je kiffe avec des petites cuissardes là, plutôt pas mal. Donc voilà, c'est cette jupe là. Donc voilà ma petite jupe, elle est trop belle, c'est un peu style suédine coton, genre j'aime beaucoup trop. J'ai pris ensuite des frisbees pour le chien de mes parents. Ma soeur en avait pris aussi des frisbees Mickey, mais j'ai trouvé trop beau ceux-là. Après, ils sont peut-être un peu lourds. Je sais pas. Donc, j'ai pris quand même ça, 3€. Voilà, ça peut lui faire plaisir au petit loulou. Faut que j'achète un cadeau à Birdie, en fait. Et à mon principado. Hein? J'ai pris ensuite un pyjama pour mon papa. Alors, vraiment, je sais pas du tout si ça va aller. Donc, le devant, il est comme ça. Enfin, c'est des t-shirts qu'il met assez souvent, vraiment basiques. Et le pantalon, il est de cette couleur-là. Et il est plutôt pilou-pilou, il est bien et tout. Donc, j'espère vraiment que ça ira au niveau de la taille. J'espère que ça va pas être trop trop grand. Parce que, ouais, c'est un peu galère au niveau de taille. Mais il a coûté 13€. Donc, ça allait par rapport à tout ce que j'ai vu à Jules. Oh, c'était 35-40€. Non, mais vraiment n'importe quoi. J'ai pris aussi des petites bougies à Primark. J'ai trouvé trop mignon. Pourquoi c'est relié? Bref, j'ai trouvé trop belle. C'était 2€ les deux. Trop joli. Il faisait aussi les bougies cylindriques, mais je sais pas, je savais pas où trop les mettre. Trouvé ça aussi, un petit diffuseur en forme de sapin. J'ai trouvé trop mignon. Donc ça, ça c'est sûr, je vais le garder même pour l'année prochaine. Donc ça coûtait 4€. Ensuite, je suis passée à Normal. J'ai acheté des serviettes hygiéniques et j'ai acheté aussi des lingettes intimes. Alors ça pour moi c'est hyper important d'en avoir sur soi, des lingettes intimes. Voilà, pour moi c'est très important, je ne vais pas quelque part sans lingette intime, c'est hyper important. Ensuite j'ai pris ça, c'est un masque pour les cheveux, j'ai pris à la papaye, c'est pour réparer les cheveux. Alors moi j'ai pas du tout les cheveux abîmés depuis que je les ai coupés, maintenant j'ai plus les cheveux cramés en fait, c'est mes cheveux qui sont en bonne santé. Mais en fait faut toujours faire des masques, des soins, etc. pour vraiment qu'ils soient brillants. J'ai quasiment plus de masques, donc voilà, j'ai pris ça pour remplacer celui qui va bientôt se finir. Et voilà en fait pour mes petits achats, je pense avoir fait le tour. Enfin, j'ai acheté aussi d'autres cadeaux pour d'autres gens, mais que j'ai donné à ma soeur comme ça, c'est elle qui va emballer, c'est elle qui va s'occuper de tout ça. On a acheté aussi des compositions florales, enfin voilà, on a acheté pas mal de choses avec ma soeur. C'est plutôt pas mal au niveau des cadeaux, j'ai tout fait, je suis trop contente, vraiment trop contente. Regardez comment c'est trop beau. J'aime trop, vraiment j'aime trop. Je kiffe, voilà, je kiffe. Et je vais installer ça aussi à l'entrée. Par contre, l'odeur, elle est pas ouf. Hein. Ça sent pas du tout le Noël. Ça sent plutôt le parfum. Parfum. Le parfum de luxe, un peu. Hop, ben voilà. J'ai aussi acheté du lait à Carrefour. Comme ça, ça... Parce que j'en avais plus. Et j'ai pris aussi ça. Donc, c'était le deuxième à moins 60%. Donc, j'en ai pris 6. Et c'est mon café, en fait, de base. Le Delicioso, le 5. Et voilà, donc j'ai fait ma petite réserve
Et voilà, écoutez, il faudra peut-être que je trouve quelque chose pour mettre ici. Parce que je ne sais pas trop. Et il faudra peut-être que je repeigne aussi ces petits trucs-là, les petits points blancs, quand on a rebouché les trous. Mais bref, voilà déjà pour mes petits achats. Il y a d'autres cadeaux que j'avais déjà achetés avant, ils sont là-dedans. Je vais pas vous les montrer parce que ça va gâcher toute la surprise. Mais ouais, j'ai d'autres cadeaux qui sont là-dedans. En fait, dès que j'emballe tous mes cadeaux, je les mets dedans. Et au moins, c'est pratique, vous savez, pour emmener et tout. T'as tous les cadeaux à l'intérieur. Je trouve ça trop beau en plus. Donc voilà. Voilà, j'ai mis les cadeaux à l'intérieur. Au moins, tout rentre. Sauf ça, ça ne rentre pas. Et comme ça, ça fait bien rempli au niveau du sapin. C'est trop bien. J'aime trop. Oh là là. Je suis morte. Bon, je viens de tout ranger, au moins ça c'est fait. Et j'ai envie de vous montrer ce que j'ai reçu dernièrement. Je ne l'ai pas encore ouvert, donc je vais faire ça avec vous. Je vais m'installer, bah tiens, dans le spot unboxing, hein, c'est parti. Alors j'ai reçu un aspirateur robot qui fait à la fois donc aspirateur et à la fois lavette. Donc je ne l'ai pas du tout ouvert encore une fois, je vais l'ouvrir avec vous. Donc c'est la marque eLife. Donc, ou iLife, je sais pas comment on prononce, mais je trouve ça plus joli, iLife, ça fait très franglais. Je vais vous montrer ça, on va l'unboxer. Alors moi, ce genre d'aspirateur robot, j'adore, je pense que, voilà, j'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, mais Josette, je l'ai depuis pas mal de temps, je l'utilise tout le temps, c'est hyper pratique, c'est vraiment un gain de temps énorme. Je suis vraiment très contente, et donc ils m'ont proposé de m'envoyer un autre aspirateur robot. Donc cet aspirateur robot là, ce n'est pas pour moi, ça sera pour un ami. Je voulais quand même l'essayer avant pour voir ce que ça donne, etc. Donc c'est parti, on va l'unboxer. C'est vrai qu'à chaque fois on me demande genre mon avis et tout sur ce genre d'aspirateur robot, parce que c'est quand même assez cher hein, de base, hein, ça, c'est pas donné, c'est pas tout le monde qui peut se le payer. Et franchement moi je revis, vraiment je revis dès que je dois faire du ménage. Je sais que c'est Joseph qui va passer l'aspirateur et la lavette dans tout l'appart. Genre j'ai juste à mettre toutes les choses par terre, les miettes, la poussière par terre, tout par terre. Juste à relever les rideaux et c'est fini. Donc nous avons la petite notice comme d'habitude. C'est très bien emballé. Oh. Et je dirais même que c'est encore mieux que Josette là, de ce que je vois. Ah ouais, attendez, je vous montre. Donc là on a l'aspirateur robot, on a la lavette. Et ce qui est cool c'est qu'ils remettent une autre lavette. Moi j'ai pas ça sur mon aspirateur robot. Ça c'est plutôt pas mal parce que quand ta lavette elle est sale, faut attendre de la laver, de la ressécher. Ouais, ça c'est vraiment pas mal ça. Donc en fait ça c'est la partie que tu vas mettre en dessous de ton aspirateur robot. Et tu vas mettre de l'eau ici et ça va laver. Et c'est super bien, la lavette elle est vraiment d'une bonne qualité. Et ça va laver donc l'appartement. Donc il faut pas mettre par contre de produit à l'intérieur. Faut juste mettre de l'eau. Ça va juste nettoyer, mais personnellement moi je nettoie après quand même avec du produit, avec ma lavette à moi. Mais au moins ça passe déjà un coup dans tout l'appartement. Et c'est un peu plus clean pour passer la serpillière juste après. Mais là nous avons le socle. Ah, c'est vraiment pas mal. Là c'est la prise. On a même une télécommande. Mais c'est trop bien. Et ça c'est quoi? Non, c'est même pas une batterie, c'est quoi? Mais il y a plein de choses que je ne connais pas. Bah écoutez, je vais installer tout ça, je vais vous montrer. Les amis, je viens de lire le manuel d'utilisation et il y a vraiment des choses incroyables. Genre par exemple, ça je savais pas trop ce que c'était. Je vais vous montrer. En fait, ça va créer une barrière pour pas que le robot y passe. Tu mets ça au niveau de ta porte, ça va créer un espèce de laser. Et en gros, le robot ne va pas franchir ce truc-là. Attendez, je vais vous montrer l'image, vous allez peut-être mieux comprendre. Regardez, ça va faire ça. Comme ça, le robot, il est confiné dans une pièce. Au lieu de fermer la porte, vous faites ça. Genre, je trouve ça trop bien. Vous avez aussi un programmateur, donc vous pouvez le lancer à telle heure tous les jours. Donc ça, c'est vraiment cool. Vous avez une deuxième lavette. Vous avez aussi donc les trucs à installer là pour nettoyer. J'ai regardé aussi pour le démonter, etc. C'est très facile à démonter. Donc ouais, et en plus il y a une télécommande, vous pouvez l'utiliser à distance. Vous pouvez appuyer sur la flèche de gauche pour qu'il aille à gauche. De base, moi je l'ai sur l'application mobile de mon aspirateur robot. En gros, on peut faire de son téléphone, il n'y a pas besoin de télécommande, mais là il y a une télécommande. J'ai pas vu encore qu'il y avait une application à télécharger. Je suis en train de dire, mais je l'ai pas vu. Je ne sais pas, il n'y a pas noté en tout cas. Ce que je viens de voir, en fait, il y a un petit bouton on-off. Oh. Il va retrouver sa maison. Mais c'est incroyable. Prince, il est subjugué. Donc en fait, j'ai installé les petits trucs comme ça, là. Vous avez en plusieurs longueurs. Là, j'ai pris les plus courtes. Et là, en fait, on va le laisser un petit peu charger. Tu peux mettre donc l'heure, etc. Ça, c'est plutôt pas mal. Et j'ai envie de voir s'il fait beaucoup de bruit. Ce genre d'aspirateur robot, ce qui est bien, c'est que ça passe aussi sur les tapis.
Ça nettoie très très bien les tapis en profondeur, c'est vraiment pas mal du tout. Par contre, le seul petit hic que je pourrais dire, c'est que ça passe pas en dessous du canapé, c'est beaucoup trop haut. Mais je sais qu'il existe des aspirateurs un peu plus fins qui passent en dessous du canapé, mais par contre le prix, je crois qu'il est beaucoup plus cher. Ce que je peux vous conseiller aussi pour les aspirateurs robots, c'est de ne pas prendre des aspis avec des sacs. Vous avouez, ça se vide tout seul, etc. Franchement, ne prenez pas ça. Achetez un aspirateur où il faut vider vous-même le réservoir prince. Il arrêtera de s'amuser à rentrer dans les sacs. Vraiment, videz-le vous-même, ça coûtera beaucoup moins cher. En fait, il faut acheter les sacs et tout à chaque fois. Non, franchement, c'est relou. Donc, achetez un aspi comme ça, normal, qui ne se vide pas lui-même. C'est amplement suffisant. Et pour le côté lavette, il n'y a pas besoin d'appuyer sur un bouton haut. Vous avez juste à mettre ça. Et ça se met directement en mode lavette. Et après, vous pouvez toujours mettre un petit peu de produit sur la lavette. Moi, c'est ce que je fais. Je mets du Sanitol sur la lavette pour que ça désinfecte un petit peu. Et après, je repasse. Quand j'ai le temps, la serpillière. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai lavé tous mes petits bols là, comme ça, de Noël, mes petits trucs de Noël. Je les ai retrouvés, je les ai lavés. Let's go! Rangé, il est trop beau mon sapin! Mon dieu, j'aime trop! Bon, allez, c'est parti pour le lave-vaisselle et le linge. Je suis ravie. Bon voilà, le linge il est juste là, il est fait. Bah écoutez, je pense qu'on va se reposer. C'est quelque chose que je n'ai pas fait depuis très longtemps. Me poser dans le canapé, devant la télé, regarder les vlogmas que je n'ai pas regardés. Genre tous ceux de Marine Camélon, je ne les ai pas regardés. Faut que je rattrape mon retard avec le monde de Salomé. Et faut peut-être que je poste aussi ma vidéo. Parce qu'il est bientôt 16h30 et je ne l'ai pas préparé. Donc je vais faire ça en même temps. Ah, ok, vous allez. Ah, c'est un truc ouf. Ça fait tellement longtemps. Ça fait 4 mois. Allez, on va se connecter. C'est parti. Vous me voyez pas, mais vous imaginez même pas à quel point je suis heureuse. Bon, je viens de regarder une vidéo de Salomé. J'ai pu poster ma photo sur Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, c'est Elisa BRTOF. Ça me ferait super plaisir de vous voir sur Insta. On peut discuter, etc. On essaie de rire ensemble. Enfin, franchement, c'est de la bonne ambiance, bonne humeur. Voilà, n'hésitez pas à aller me suivre. Et donc, j'ai posté ma vidéo, j'ai posté ma photo. Et là, je pense que l'aspirateur est chargé. Donc on va le tester, on va voir ce que ça donne. Donc c'est parti, après mon appartement il est propre. Je l'ai passé hier le ménage, donc normalement, voilà, il n'y a pas des tonnes et des tonnes de moumoutes. En principado. Enfin je pense hein, qu'il est chargé, hein. On va tester. Ouais, il n'est pas encore chargé. Mais bon, oula. Bah écoutez, il fait pas du tout de bruit, ça c'est vraiment cool. Et je l'ai vu en fait monter sur le tapis. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a des grosses roues qui se rétractent. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment plutôt pas mal. Pour enlever donc la poussière, donc il y a un petit... Ah, j'ai plus de batterie. Il y a ça en fait qu'il faut enlever. En fait, t'as la poussière qui est à l'intérieur. Donc hop, il suffit juste de retirer. Enfin, en fait, tout se démonte et ça c'est vraiment pas mal. Donc vraiment, je suis ravie de ce petit engin. Après, je pense qu'il doit y avoir une application eLife. Je ne l'ai pas installée. Ce sera la personne qui aura l'aspirateur qui va l'installer. Mais je pense qu'il faut qu'il fasse d'abord, vous savez, tout l'appartement qui visualise, entre guillemets, l'appartement. Et ensuite, on pourra choisir les pièces, etc. en fonction. Donc, ouais, franchement, c'est plutôt pas mal. Il ne fait vraiment pas du tout de bruit. Donc, ça, c'est cool. Donc, je vais le ranger dans son petit carton et je vais l'offrir à la personne. Je pense qu'elle va être vraiment contente. Donc, il y a mon chacha qui est...
qui est ébahie par ces petits trucs qui bougeaient là. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, avec toutes les informations, les renseignements, les détails techniques, etc. Si j'ai un code promo, je vous le mettrai aussi en barre d'infos et affiché à l'écran. Donc voilà, franchement n'hésitez pas à investir là-dedans pour cadeaux de Noël, les machins, les ceci, les cela. C'est vraiment plutôt pas mal, moi je vous aide, je l'adore, c'est hyper pratique, vraiment tous les jours c'est très 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 pratique. C'est un gain de temps énorme, moi je le vois vraiment. Tout sera en barre d'informations. Donc là je viens de remettre l'aspirateur dans le carton. J'avais envie de tester mon masque là pour les cheveux, donc là je vais laver ce soir mes cheveux, je vais me faire un masque et tout parce que c'est une catastrophe. Quoique ma peau elle va beaucoup mieux je trouve, j'ai beaucoup moins de boutons, j'ai toujours des petits trucs, voilà c'est normal surtout quand j'ai eu mes règles là, mais sinon je trouve que ça va de mieux en mieux parce que j'utilise cette crème là, Olen Rickson, elle est très très bien, tout le monde me fait des compliments sur ma peau en ce moment, genre ils me disent tous, ouais Lisa t'as du fond de teint. Pas du tout, j'ai pas de fond de teint les gars, c'est ça qui est cool, c'est que les gens ils pensent que j'ai un fond de teint parce que j'ai une peau flawless, I'm the queen. Et je dis bah non les gars, j'ai pas de fond de teint, genre j'ai rien sur la peau. Et cette crème elle est incroyable de chez Olen Rickson, incroyable, j'ai payé 50 balles ma putain, je ne regrette absolument pas, je l'aime beaucoup trop. Donc là je brosse juste mes longueurs parce que je vais juste mettre sur les longueurs. J'ai tellement envie de me refaire blonde, genre un truc un peu plus clair là sur le bas. Mais vous connaissez ce qui s'est passé la dernière fois où j'ai fait ça. C'était une catastrophe, j'ai mis 2 ans à m'en remettre au niveau de mes cheveux. Donc je vais appliquer une grosse couche au niveau des longueurs. Et on demande souvent d'où viennent mes pulls moches là comme ça. Bah ils viennent de chez Shein. Genre tous mes pulls, de toute façon tout ma garde-robe vient de chez Shein. En fait j'ai refait ma garde-robe parce que tout est... Ça sent trop bon, tout était trop petit ou trop grand. Genre au niveau des jupes là j'ai tellement de jupes, taille 40. Je fais du 36-38 maintenant, j'ai énormément maigri. Mais pas maigri... dans le mauvais sens, maigri en mode j'ai perdu beaucoup de graisse et je me suis beaucoup plus musclée. Avant pour mon bide par exemple j'avais des bourrelets, enfin comme toute femme tu vois. Là il n'y a plus trop de bourrelets, on voit les abdos, même au niveau des bras c'est beaucoup plus musclé, même si ça se voit pas, hein, mes bras ils restent fins, mais c'est beaucoup plus musclé. Pareil pour mes jambes, pareil pour mon dos aussi, mon dos j'ai beaucoup moins mal au dos depuis que je fais de la muscu. Voilà, donc j'ai perdu énormément de graisse, beaucoup de graisse, et je me suis beaucoup plus musclée. Donc j'ai perdu en fait 3 kg, mais j'ai perdu une taille de vêtements au niveau du bide. Vraiment trop contente, tout ça avec le sport, hein, c'est que le sport, le cardio, beaucoup de cardio, des burpees, tous les jours des burpees. Les burpees c'est ce qui fait tout, je trouve, c'est ce qui te... Ouais, ça te fait tout, tout ton cardio, tous tes bras, tes jambes, t'es morte à la fin des burpees. Et essaye d'en faire 50 en 1 minute 30, vous allez voir que c'est hard. 1 minute 30, 50 burpees, je vous laisse faire ça, vous allez m'en dire des nouvelles. Du coup, là je vais laisser poser et je vais regarder encore des petits feuilletons, des petits films, etc. Et on va appliquer juste après ce masque-là de chez Olen Rickson qui est très bien. Très instagrammable en plus. Ça sent super bon le masque, vraiment trop contente. Je vous retrouve dans beaucoup de temps. Voilà, je vais couper un peu la caméra, me reposer, regarder la télé et... Et voilà, ça fait vraiment du bien, une coupure, une journée off. Enfin, c'est pas vraiment une journée off parce que je filme, mais vous voyez ce que je veux dire, ça fait vraiment du bien de couper un petit peu tout ça en fait, de me dire ça y est, tous les examens sont passés, maintenant il faut juste réviser pour les partiels. Et vraiment, ça fait du bien. Bon, il est actuellement 18h52. En fait, il y a une soirée qui vient de se prévoir à la dernière minute. Je suis fatiguée, je suis sortie tous les soirs les gars, j'en peux plus. On s'est tous promis que cette semaine on en profitait pour sortir et tout, mais qu'à partir de lundi c'était fini tout ça, qu'on allait reprendre le rythme de travail. Pas trop faire de soins, je vais juste me laver les cheveux, je vais faire vite, je vais me préparer et tout, genre vraiment très vite. Et puis bah je vais vous laisser là, en fait j'ai déjà fait le montage, j'ai vu que ça durait 30 minutes. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça me ferait super plaisir. À vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.